Qu'est-ce que tu fais? T'étais là? J'étais pas du tout mais là. Mais si j'étais t'étais pas là, du mais tout là. J'étais mais pas du tout t'étais là. là. Non. C'est bon, j'arrête de jouer. Que tu sors du jeu en plus. Passe. Oh, c'est que des pubs. Non mais donne. Non, non, laisse, c'est le foot. Donc la récupération de Soumia numéro 8. Elle avance, elle tire. Et oh, c'est le but. Et c'est encore la joueuse Soumia qui a la balle, mais elle se la fait prendre par le numéro 10 qui est à fond et qui s'élance sur le terrain. Il va marquer. Et c'est le but. Et la petite célébration qui fait plaisir. Non mais... C'était le quatuor du lycée européen, dirigé par la grande Cléophée Gonçalves. Oh, c'est chiant ça. Eh, c'est quoi tout ce bruit là? Eh, c'est bon, poussez-vous, donne-moi ça. C'est bon. Bon, on va trouver un truc là, ok. Ça va pas, chérie? Non, mais ça va pas, j'y arrive pas. Tu peux me passer la clé de 17? Non, mais ça va pas, t'y connais rien. Je dis la clé de 17. Mais puis c'est pas mon domaine. En plus, j'en vais attraper froid. Pour la mécanique, faites confiance aux expertes. Choisissez la clé Famcom. Non, laisse. C'est les nouveaux présidents. C'est par leur visite au forum des métiers de Villers-Cotterêts que le nouveau binôme présidentiel marque le début de leur quinquennat et de cette 6ème république plus égalitaire. Ce forum a pour but de faire découvrir aux jeunes les différentes professions grâce à la venue d'intervenants qui mettent l'accent sur les métiers non genrés. Par ailleurs, lors d'une édition il y a plusieurs années, Laurence Mariani avait été interviewée par des élèves. M'adresser à des jeunes, je trouve ça juste génial parce que c'est vous qui avez maintenant le pouvoir de changer les choses. Nous accueillons maintenant sur notre plateau nos deux nouveaux présidents-présidentes. Notre programme est construit sur trois grandes idées majeures. Premièrement, les écoles. Nous allons changer les manuels et certains programmes scolaires afin de gommer toute forme d'inégalité, car nous avons pu constater ceci lors de notre visite au lycée européen. Par la suite, nous nous occuperons des programmes télévisés, car il y a encore trop d'inégalités et ceci n'est plus acceptable dans notre société. Et pour finir, nous avons un objectif, réduire les violences. Et pour cela, il faut aller à la racine du problème, c'est-à-dire éduquer nos jeunes. C'est donc dans le but de faire réfléchir nos enfants et de les sensibiliser que nous souhaitons mettre en place des programmes spéciaux afin de prévenir toute forme de violence. Je vous remercie. Lucie Bélanger, experte sociologue, va nous montrer l'évolution de la parité femmes-hommes depuis 15 ans. Pour les manuels scolaires, selon une étude faite par le Centre Hubertine Auclair en 2018 portant sur l'égalité femmes-hommes dans les manuels scolaires, il ressortait que dans les manuels d'histoire de seconde, seulement 3,2% des biographies étaient consacrées à des femmes et que certains n'en présentaient aucune. De manière générale, les œuvres réalisées par des femmes étaient 25 fois moins nombreuses que celles des hommes, et en plus, les professeurs ne faisaient étudier à leurs élèves que 5% de textes littéraires et théoriques réalisés par des femmes. Alors qu'aujourd'hui, 20% des biographies sont consacrées aux femmes, les manuels comportent autant de textes de femmes que d'hommes, et les textes choisis par les enseignants sont à 15% écrits par des femmes. Selon le rapport de la SACD intitulé « Où sont les femmes ? Toujours pas là », on comptait seulement 1% de compositrices, 4% de femmes chefs d'orchestre en France pour les années 2013 à 2017. Depuis 2030, 18% des compositeurs et 16% des chefs d'orchestre sont des femmes. Dans le monde du sport, comparons les activités sportives pratiquées par les femmes et les hommes il y a 15 ans. En décembre 2020, la part des femmes parmi les licenciés de foot était de 8,39% et à l'inverse, la part des femmes licenciées en gymnastique était de 82,87%. Aujourd'hui, les licenciés de football sont à 35% des femmes et les gymnastes sont à 59% des femmes. En 2020, les activités sportives étaient extrêmement genrées, cela s'est donc rééquilibré. Pour les violences faites aux femmes et en particulier les féminicides, le collectif Nous Toutes a commencé à tenir un registre des femmes mortes, tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Pour la seule année 2021, elle a compté 113 féminicides entre 2016 et 2021. Pas une seule fois, ce nombre n'est descendu au-dessous de 100 femmes tuées par an depuis 3 ans. En moyenne, 26 femmes meurent tous les ans en raison de leur genre. Donc aujourd'hui, les chiffres tendent à atteindre 50-50 dans tous les domaines, en particulier depuis l'élection de notre binôme présidentiel, puisque le gouvernement est à 48% composé de femmes. De toute façon, c'était mieux quand c'est des hommes qui dirigeaient.